Michael Sabatowski, je suis donc directeur fondateur de l'école du toucher massage. Depuis maintenant, on va dire 25 ans et un peu plus, que j'enseigne et surtout que je sensibilise les gens pour une pratique de massage populaire. Alors je m'explique, les massages minutes, la première idée c'était déjà de faire un peu un contrepoids au massage très cocooning que nous pratiquons bien entendu, que nous enseignons aussi, mais qui demande quand même des conditions particulières. Il faut du temps, il faut un local qui soit bien chaud, harmonieux, un environnement agréable, de l'huile, une table de massage, que la personne accepte d'être dénudée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, le contrepoids, c'était de dire, mais on peut aussi proposer des massages courts, dans un temps peu élevé, je dirais de 2, 3, 4 minutes, parfois un peu plus. Ces massages courts, ces massages minutes, sont déjà quelque chose d'important. Ils apportent à la personne d'abord une détente immédiate. Bon, ils sont toujours agréables. Et ils permettent au fond de, quelle que soit la situation, j'insiste bien, quelles que soient les situations, on peut finalement les mettre en place. Trouver des occasions, le massage peut s'adapter partout. Le massage, c'est aussi, les massages minutes, c'est aussi une préparation à d'autres activités, pour les danseurs, pour les chanteurs, pour les musiciens, qui sont souvent bloqués au niveau des trapèzes, vous voyez. Pour les gens qui font des actions ensemble, ça crée du lien entre eux, et ça leur permet d'être mieux ensemble, on va dire, mieux ensemble, mieux se connaître. Ça part d'un principe très simple, que quand on s'est touché, eh bien, les rapports changent entre les deux personnes, et changent dans le bon sens. Alors, au niveau des zones et des types de massages, j'ai donc proposé chaque année, depuis maintenant un certain temps, les stages massage minute. Ça veut dire des stages qui vont proposer en 2 jours, c'est très court, un certain nombre de massages. Des massages simples, courts et très pragmatiques. Par exemple, le massage des pieds, avec les deux mains en même temps, massage très court. Évidemment, différents massages de la nuque, des trapèzes, massage du cou, massage express du visage en très peu de temps, massage des mains, c'est le grand massage de grande détente et qui apaise immédiatement, des techniques au sol, etc. Et donc ainsi, lors de ce stage, sur 2 jours, on voit quand même une douzaine de mini-massages. Donc on reste habillé, pas besoin de se dévêtir, pas besoin spécialement d'huile, pas besoin d'objets, un tabouret, une chaise suffit.